Ce que nous venons d'entendre, c'est l'un des thèmes les plus connus de toute la musique classique, de tout le répertoire de la musique symphonique. Le premier thème du premier mouvement de la symphonie inachevée de Schubert. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez été sensible à ce mystère, à cette fièvre. Déjà, il y a le titre, Symphonie inachevée. Alors, on se demande pourquoi c'est inachevé, pourquoi le compositeur n'a pas terminé. C'est déjà toute une promesse, un mystère. Mais enfin, il n'y a pas que le titre, bien sûr. Il y a la musique elle-même. Et pourquoi est-ce que ce début nous fait une telle impression? Et on pourrait penser que c'est à cause du thème, un thème qui est joué à l'unisson par le hautbois et la clarinette. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la musique qu'un compositeur a l'idée de cet alliage. C'est très beau, mais vous avez vu, sans l'accompagnement, c'est plus du tout agité et fiévreux. Non, je ne veux pas dire, bien sûr, que Hélène et Francis, au bois et à la clarinette, ne soient pas inspirés. Mais sans l'accompagnement, c'est un thème qui est beau, mais qui est assez doux, qui est assez triste. Regardez, si je fais un accompagnement tout simple, en accord au piano. C'est joli, mais on est très loin de ce que vous avez ressenti juste avant. Ce que vous avez ressenti, ce n'était pas dû au thème, c'était dû à l'accompagnement. L'accompagnement tout en notes répétées. Ce sont des trémolos, des violons et des altos. Vous avez entendu les pulsations des basses, des violoncelles et des contrebasses? Tom, 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 tom. On dirait un cœur qui bat. Vous pouvez le jouer? Et maintenant, le thème. Et maintenant, le drame se révèle. Voici le point culminant de tout le premier mouvement de la symphonie inachevée. Toujours sur notre thème zéro. Mais notre thème zéro, il n'est plus mystérieux du tout. Il est en train de révéler tout son potentiel tragique. Écoutez donc ce thème qui était si mystérieux. Maintenant, fortissimo, violoncelle, contrebasse avec les trombones. Cela donne... Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi de l'agitation, il ne faut pas qu'il y ait que de la puissance. L'agitation, elle est donnée par des doubles croches, des violons, des altos et des hautbois. Et puis il y a aussi du contrepoint, un canon entre les graves et l'aigu. Le voici. Contrepoint de l'agitation, la puissance solennelle et tragique des trombones dans le grave, et encore quelque chose, il manque un élément, le rythme. Et le rythme que choisit Schubert, c'est un rythme de chevauchée fantastique, comme une sorte de course à l'abîme, tom, todom, 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 qui est fait par les bois et les cuivres. Maintenant, on va mettre tout ensemble. Alors, si vous en êtes capable, essayez de bien repérer le thème zéro, au grave, violoncelle, contrebasse, trombone, pa, 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 pa. L'agitation des doubles croches des altos et des violons, le canon entre les graves et les aigus, pam, pim, pam, pam. Et puis par-dessus tous les chevaux, tom, todom, 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 todom. Allez, tout à la fois, c'est à vous.